crois qu'une personne a compris que lorsque le Seigneur est là, nous honorons sa présence par nos acclamations, par nos cris de joie, car il est celui qui a renouvelé le souffle de vie en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, pour une personne qui croit que le souffle de vie a été renouvelé par le Père ce matin, tu peux acclamer son nom de là où tu es, tu peux le célébrer, tu peux te tenir sur tes pieds, car c'est la journée que le Seigneur a faite et elle est pour nous un sujet de joie, elle est pour nous un sujet d'allégresse. Tu peux te tenir là où tu es, tu peux sauter dans sa présence, tu peux pousser des cris de joie, tu peux honorer ton Dieu, tu peux honorer celui devant lequel nous nous tenons ce matin. Ce matin nous nous tenons devant le roi de gloire, nous nous tenons devant notre Père. C'est un bon moment ce matin pour l'adorer. Alors là où tu es, lève tes mains vers le roi. Commence à élever ta voix vers le roi. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être contemplé. Ce matin, le peuple s'assemble pour toi, Seigneur. Ce matin, le peuple s'assemble pour toi, Seigneur. Ce matin, le peuple vient. Nous t'adorons, nous t'élevons.
couvre la terre, prosterné, qui est semblable à toi. Let's go.
Dieu, combien nous aimons ta présence, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons devant toi. Parce que nous aimons être près de toi. Parce que nous aimons te contempler. Parce que nous aimons être à tes pieds. Incomparable est la présence de notre Dieu. Bien-aimé, continue d'élever ta voix. Incomparable est sa présence. Là où tu es, Seigneur, nous voulons demeurer. Une seule chose je demande, Seigneur, habiter dans ta présence.